Élevé modestement à Mont-Laurier, dans une famille éprise de politique, Luc Desnoyers termine ses études à Montréal, où il devient leader étudiant. Cela l'aide à décrocher ses premiers emplois et à se retrouver chez Paccard, la fabricante de camions établie à Sainte-Thérèse. C'est là qu'il s'implique dans l'appareil syndical des travailleurs unis de l'automobile, où il devient vice-président de sa section locale. Cela l'amène à découvrir les besoins en formation de ses camarades et à devenir coordonnateur de la formation chez la TUA Québec, sans pour autant quitter son syndicat. Mais ce détail sera bientôt gommé puisqu'il devient permanent chez les TUA, amorçant ainsi une longue carrière au service de la justice sociale. Promu adjoint de Claude Ducharme, patron des TUA pour le Québec, il lui succède en 1995, cela en raison de son charisme et de ses talents de stratège. Par exemple, il va réussir peu après à empêcher la fermeture de l'usine Paccard et à mettre fin au conflit qui y pourrissait depuis plus d'un an. Fraîchement retraité, il devient député du Bloc en 2008, mais se retrouve emporté aux élections suivantes par la vague orange, ce qui met un terme à sa vie publique. Depuis, il continue de s'indigner face aux innombrables situations d'injustice sociale. Bonjour mon cher Luc, merci de nous accueillir chez toi. J'aimerais avec toi qu'on fasse un petit peu une révision de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans le syndicalisme, les expériences que tu as vécues. T'es pas né syndicaliste comme tous nous autres. T'as une jeunesse à bien à toi. Ouais. Alors, d'abord, tu es né à quelle place? Moi, je suis venu au monde à Mont-Laurier. À Mont-Laurier. J'ai fait mon primaire, mon secondaire à Mont-Laurier, dans une famille de quatre garçons. Mon père et ma mère ont eu quatre enfants, mais c'était quatre garçons. Et on bouleversait des choses à l'occasion, mais la famille Desnoyers, c'était une famille libérale avant tout. Ah oui? Il n'y avait pas de syndicat dans cette famille-là. Personne n'était syndiqué. Mon père travaillait dans un garage, mais à Mont-Laurier, il n'était pas syndiqué. Par contre, c'était des passionnés de politique et ils luttaient en politique. La grand-mère Desnoyers, les libéraux n'ont pas gagné souvent dans le coin de Mont-Laurier. C'était l'Union nationale à l'époque qui était là. Et la grand-mère, quand ils ont gagné une coupe d'élections, quand ils ont gagné, l'Union nationale sont venus lui faire brûler des effigies en avant de la maison. Ah, et là, elle se dépêchait, elle allait chercher sa hausse, pluguait ça après l'eau chaude, puis elle arrosait ceux qui... c'était toute une anecdote. Et le grand-père nous contait ça, puis lui, il en braillait, il avait un plaisir extraordinaire. Mais ces gars suivaient les poseux de pancartes des... Il allait les arracher. Il allait les arracher, mais ils en ont pogné un moment donné qui était là, puis il est resté en haut jusqu'au lendemain matin. Il voulait pas descendre, parce qu'il savait que s'il descendait, ça aurait brossé. Oui. Mon grand-père, qui était libéral, nous avait mis dehors, moi puis mon frère. Vous pouvez plus venir ici, on est libéral. Ah, quand wow! Quand il a su que vous étiez péquiste. Ah oui, quand il a su qu'on était péquiste. Vous êtes déjà vu péquiste quand, vous autres? Dès le départ, on était là. Et c'est à cause des injustices, et j'ai... Encore là, les injustices, ça m'a toujours marqué dans ma vie, je pense. Ouais. Je suis pas capable, en tout cas. Fait qu'il nous a mis dehors. On a été pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans sans y retourner. Ah, mon Dieu! Oui, puis un bout de temps. Puis après, il m'a appelé. Il dit, Luc, il dit, je voudrais te rencontrer, mais pas ton frère. Mon frère Régent, lui, il en avait dit quand il nous avait mis dehors. Là, il l'avait traité de n'importe quoi. Fait que, je dis, OK. Fait que là, on va le voir. Là, il dit, écoute. Il dit, je suis prêt à t'écouter parler. Il dit, sois venu, on va s'asseoir en avant, à la galerie. On va parler de politique. Tu vas me parler de ton PQ, puis moi, je vais te parler des libéraux. T'sais? Fait qu'on s'est assis, puis on s'est mis à jaser. Puis finalement, il a dit, là, qu'il y a plein de choses que je savais pas. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Puis il y a plein de choses que c'était des automatismes. Moi, c'est libéral. Parce qu'il nous disait de lever la main, on levait toute la main. C'est ce que tu veux dire. Puis je dis toujours, je suis pas sûr qu'à la fin de ses jours, il a pas voté Parti québécois. Mon père a voté Parti québécois, bien avant lui.
puis il était libéral comme son père, tu sais. Fait que... juste ça, de se faire crisser dehors de ta famille pendant 6, 7 ans, 8 ans, ça te marque aussi. Ah ouais. Fait que tout ça pour te dire que j'ai connu politiquement une enfance tumultueuse, je te dirais. Les études, ça a quand même été bien, là, tu sais, primaire, secondaire. Puis on s'est retrouvé à Montréal par après parce que mon père a dû se déplacer parce que le travail n'était pas toujours disponible à Mont-Laurier. Puis on n'était pas une famille riche. Du spaghetti blanc, là, comme on disait, on en a mangé pas mal chez nous. Fait que... Mais on n'était pas plus malheureux pour ça. On jouait dehors, puis on avait du fun. Mais en se déplaçant, en s'en venant vers le sud, vers Montréal, mon père s'est trouvé différents jobs. Toujours comme mécanicien. Il a fini chez POM à Montréal. Alors là, il était syndiqué à partir de cette époque-là, c'est vrai. Et puis, Dieu merci qu'il y avait un syndicat, parce que mon père, des fois... Il brossait pas mal, puis il y a une fois qu'il a failli se faire sacrer dehors, puis le syndicat a réussi à le ramener, là, puis tu sais, ça a été une enfance où j'ai appris beaucoup avec mon père, autant manuellement à faire des choses que à travailler en politique pour les aider à faire d'autres choses. Déjà, tu avais une vision d'un certain engagement à caractère social, là, c'était politique. Exactement ça. Quand je suis arrivé à Montréal... T'avais quel âge? J'avais peut-être 16 ans à l'époque. Ouais. Il me restait mes deux dernières années à finir ici 10e, 11e. La 10e, ça a bien été. La 11e, là, j'ai été élu président de ma classe, président de l'école. Et là, ça brossait. Là, c'est ton premier engagement syndical. Ça a été mon premier engagement syndical, c'est vrai. Et là, ça brossait en tabarnouette. Mais qu'est-ce qui te motivait pour faire de la politique étudiante? Ça a été les injustices. Parce que c'était des jésuites qu'on avait. Et puis, ils étaient durs. C'était très, très sévère. Oui, puis ils nous payaient la traite. Puis, tu sais, ces écoles-là, c'était des grands couloirs hauts. Puis là, ils en faisaient toujours sortir une dizaine le matin. Puis il mettait en ligne, puis là, la main, puis la strap, c'était une strap, mais sur la main. Et là, ça résonnait, ça, dans l'école. Là. Non, c'est... Je l'ai eu souvent, là, dans la dernière année. Là, je dois t'avouer, je l'ai eu parce que je le regardais, puis il me regardait. Puis là, quand je le voyais partir, il rendait ma main. Il venait encore, tu sais. Ouais. En tout cas. Et tout ça pour dire que ça a été une bonne année, de bonnes expériences, cette année-là. Et puis j'ai fini mes études... Par après, dans le fond, aux études commerciales en gestion d'entreprise. Par les soirs, j'ai fait deux certificats, j'ai pas fait le bac. Ça m'a aidé grandement. Mais tu travaillais le jour? Ou... Je travaillais le jour. J'ai débuté chez les Diffusions franco-québécoises, qui était une compagnie de livres qui vendait sur le marché québécois. Et peut-être 9 mois. Après ça, je me suis en allé chez Bombardier, secteur des pièces. Ouais. Contrôle des inventaires. S'assurer que tout le matériel est là pour... T'apprenais sur le tas, là. J'avais jamais fait ça. Ouais. J'ai appris sur le tas, effectivement. Puis j'avais pas suivi mes cours encore au HEC parce que c'est venu avec Packard. Mais on parle de quelle année, à peu près, là? 68. Donc, c'est pas Bombardier Canadair, là. Non, 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 non. C'était Bombardier, skidoo, motoneige, véhicule industriel. On ne faisait que contrôler les inventaires. Chez Packard, on contrôlait les inventaires et on achetait. Et de là que j'ai suivi ces cours-là, je voulais être acheteur. Être acheteur, t'sais, professionnel. Puis là, il me disait, ben ça te prend ces cours-là, ça te prend ci, ça te prend ça. Puis jamais ça. Ouais. J'ai appris à négocier. Je négociais autant avec l'usine qu'avec les fournisseurs, qu'avec mes patrons, qu'avec... Dans le mouvement syndical, on se retrouve toujours dans ces situations-là où il faut toujours négocier quelque chose. À l'époque, Packard, ça s'appelait pas Packard. Non. C'était? C'était, dans l'histoire, c'était Sicard. Sicard. Un fabricant québécois de camions, de balais d'aéroport. Entre autres, de souffleuses. De souffleuses, exactement. C'est probablement l'inventeur de la souffleuse. Exactement ça. Et lui était à Montréal à l'époque. En 65, 66, 67, il avait bâti cette nouvelle usine-là, là, à Sainte-Thérèse. Tu as connu la nouvelle, toi. J'ai connu la nouvelle, exactement ça. Puis sur la bâtisse, il y avait le nom Sicard tout seul un bout de temps. Puis après ça, il y a eu Sicard Kenworth. Puis à un moment donné, Sicard est tombé en bas du mur, puis Kenworth est resté. Donc les Américains venaient de
prendre possession complètement de cette usine-là, là, qui était une bonne usine québécoise. Tu sais, malheureusement, le Québec, on fait souvent ça. Là, tu sais, on part des choses, puis les millions de dollars nous attirent, puis là, on vend tout ça, tu sais, pour des bouchées de pain, finalement. Mais chez Paccard, c'est là où j'ai vécu ma première frustration syndicale à l'égard du patronat, où dans un autre département juste à côté de moi, il y avait un patron, là, il était cinglé. Tu sais, je veux dire, ce n'était que de... La petite fille, il fallait qu'elle aille ses plats de bonbons. Quand il l'appelait, il fallait qu'elle s'en vienne, qu'elle soit là. Le gars, il fallait pas qu'il parle à personne dans le département. En tout cas, j'ai dit, ça n'a qu'une sens, tu sais. Fait que j'ai... Dans le temps, je déposais pas de grief parce que j'étais pas un délégué syndical. Fait que j'ai dit, m'a écrit au patron, c'est... Fait que j'ai écrit au patron, j'ai dénoncé son cadre, puis j'ai dit pourquoi je le dénonçais, blablabla. Ça n'a pas été la meilleure affaire que j'ai faite, là, d'écrire au boss, je peux te dire ça. Et ça n'a absolument rien réglé. Puis il a dit, c'est lui, puis dénoyé, tout fait ta job, là. Puis c'est d'attitude, tu sais. T'es pas ici pour gérer, t'es ici pour faire acheter, commander, puis que ça rentre pour les trucks. Tu t'es rendu compte que tu peux pas faire ça tout seul avec le boss? Exactement. Fallait que le boss fasse à un groupe. Exactement ça. Fallait, tu sais, ça prenait des solidarités. Je dois t'avouer qu'après cette partie-là avec le patronat, j'ai décidé de me présenter comme président du syndicat. Mais ça aussi, ça a été une autre erreur. Parce qu'il y avait deux syndicats dans l'usine. Il y avait les cols blancs et les cols bleus. Exact. J'ai été dans les bleus et dans les blancs. Ah bon? Fait que... Mais au moment où tu t'es présenté pour... J'étais dans les blancs. Puis moi, le monde me disait, Luc, quand tu te présentes comme ça, tout ton vote, tu le donnes au président, puis normalement, l'autre, il vote pas pour lui, il vote pour toi. Hein? Fait que moi, j'ai fait ça. Fait qu'on attend le résultat. C'est que... Ça sort, je me rappelle pas des chiffres, là, mais le président, tant de votes, Luc Desnoyers, zéro vote. Ça veut dire que tu n'avais même pas voté pour moi. J'avais même pas voté pour moi. J'ai dit, et le président est venu me voir et me dire, Luc, quand tu voudras te présenter, là, parle-nous donc avant. Ah, parce qu'il ne savait pas, t'avais non, pas... Non, moi j'avais décidé ça, c'est un coup de tête, ça m'avait tellement choqué cette affaire-là que... Puis par après, c'est lui, Jean-Charles Trudeau, qui est venu me voir. Pour dire, Luc, présente-toi donc, Stick. Et je m'étais présenté, puis effectivement, j'avais été élu avec, je dirais pas 100% des votes, mais 95% de tout. Ça, c'était en quelle année? 73, 74, quelque chose comme ça. Là. Parce qu'avant ça, le mouvement syndical, je connaissais pas ça. Puis je me disais, bon, ben oui, il y a un syndicat, mais je vais faire ce que j'ai à faire. Puis je vais tenter de progresser dans la structure. Mm-hmm. Puis mon objectif, c'était d'être acheteur. Fait que, ouais. Fait qu'il fallait que... Tu pensais plus à ta carrière. Oui, exact. Ben, ça a changé complètement, je dois t'avouer. Le fait d'avoir vécu ces frustrations-là, le fait de ne pas avoir été écouté de la part de l'employeur, c'était la preuve qui se colle ici de nous autres. Tu sais, je veux dire, on était là des robots pour produire quelque chose pour lui, puis si on le faisait pas, ben on irait à quelque part dehors, puis ça finirait là. C'est ça qui a fait que je suis devenu plus militant. Ça prenait des solidarités, puis ça, je l'ai vécu autant dans le vote, pour me faire élire, se faire battre la première fois, mais la deuxième fois, j'avais été élu, et là, c'était un vote solidaire. Tout le monde voulait me voir, félicitations, Luc, puis tu sais, tu sentais qu'il y avait une collégialité importante. Et c'est ça qui a fait qu'à Kenworth, on a réussi à faire progresser notre convention collective, même si c'était pas une des meilleures au monde, mais on en était fiers, nous autres, de cette convention collective-là. C'était la nôtre. On gagne quelque chose quand on est ensemble, quand on est solidaires les uns des autres, on gagne quelque chose. Puis moi, je pense que c'est ça le mouvement syndical. C'est ça le vrai mouvement syndical. Dans toutes nos grandes luttes, là, à Québec contre Salami, au port de Montréal pour fermer le Québec un jour pour que Charest arrête de faire ses foleries, finalement, ben, t'sais, c'est toutes ces choses-là. La grève de la Kenworth, la grève de la Pratt, la grève de GM, loi sur la francisation. T'sais, c'est toutes ces luttes-là qui font qu'ils disent, on gagne quelque chose quand on est ensemble, quand on est solidaires les uns des autres, on gagne quelque chose. Puis moi, je pense que c'est ça le mouvement syndical. C'est ça le vrai mouvement syndical. T'sais, on n'est pas une banque, là. T'sais, on a un fonds de solidarité, mais on n'est pas une banque. On est là pour défendre les travailleurs et les travailleuses. C'est là, on est là pour ça. Ça fait que c'est ça l'avenir, tu sais. Puis il ne faut pas lâcher. Ouais.
J'avais quand même, je dis toujours, des bons mentors. Tu sais, t'avais le Jean-Charles Trudeau qui était l'ancien président qui était là, Gérard Dussault qui était le président de l'usine à l'époque, qui était. Et eux avaient des équipes avec eux autres, qui, quand je me suis présenté, bien, l'équipe de bureau s'est joint à moi. Et on s'est mis ensemble. Et j'ai découvert, avec eux autres, énormément de choses du mouvement syndical, parce que j'avais tout à apprendre, finalement. Ouais. Mais quand je partais en campagne, avec le bagage que j'avais, puis si je n'avais pas assez, je redescendais par la Trudeau ou à Dussault, et il se dit, là, si, il veut me fourrer là-dessus. Là. Non, laisse-les venir, tu sais. Parce que des fois, j'étais un peu prompt, là, tu sais, j'aimais ça. Que ça se règle rapidement, les choses. Parce qu'une injustice, c'est une injustice, puis plus longtemps qu'elle dure, cette injustice-là, plus c'est défavorable pour l'employeur, parce qu'en termes de travail, ça fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Mm. Puis pour le mouvement syndical, bien, si tu le règles pas, t'es pogné dans le même problème. Le syndicat fait rien, tu sais. Puis après ça, bien, dans les structures, tu sais, là, j'ai commencé à aller au congrès de la FTQ, congrès des TUA. Un syndicat exemplaire, avec des gens comme Walter Reuter, président et tout ça. Bob White, par après. Oui. On est toujours au début de ton engagement syndical, là, quand tu deviens président de ta section locale. Et là, tu découvres un peu, non seulement les structures des travailleurs unis de l'automobile, tu découvres aussi l'éducation syndicale. Et tu t'impliques là-dedans. Exactement. L'éducation, c'est devenu majeur et une passion pour moi. Je me disais toujours, tout le monde peut participer, excepté que vous allez suivre un cours de base qui s'appelle « Connais ton syndicat » en premier lieu. Ouais. Après ça, si tu allais suivre un cours de délégué, un cours de dirigeant, un cours de... En santé-sécurité. Santé-sécurité, accident de travail, arbitrage, grief. Ben là, vous pourrez y aller. Il fallait apprendre aussi les 10 points pour bien diriger une assemblée syndicale. Mm-hmm. Il fallait que le monde suive ce cours-là avec le cours « Connais ton syndicat » parce qu'on voulait que les assemblées deviennent plus ordonnées. Parce qu'anciennement, ben, c'était le président en avant qui réglait tout, qui décidait tout, puis il n'y avait plus personne qui disait rien. T'sais? Donc, on a essayé de rouvrir une plus grande démocratie. Puis effectivement, maintenant, les débats ont commencé à être plus sains, plus réglementés. Sur... Le milieu des années 70, c'est le milieu où c'est la période où apparaît le service d'éducation de la FTQ, les cours de formateurs, etc. Est-ce que tu as passé dans ce... J'ai passé dans ça, puis ça a été... Ben, tu étais venu d'ailleurs à 5 cours sur la communication, André Laplante, Joanne Deschamps, Pierre-Richard était venu. Mais ça avait été un cours tellement... où il a fallu donner beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'était du matin au soir, puis il y avait des activités. C'est même devenu très émotionnel à un moment donné, là, parce qu'on on formait un groupe, là, t'sais, on formait quelque chose de solide et de puissant, je dirais. Et ce cours-là, ça a été extraordinaire. La FTQ, à ce niveau-là, a eu plusieurs bons cours, je dirais. Et la FTQ nous a formé quelques formateurs, puis après ça... Qui en ont formé d'autres. On fait ça. On avait des fois des cours de formation qui avaient été mis sur pied, et là, on a commencé à donner notre propre... Ça fait boule de neige. Exactement ça. Et en plus de ton poste de président, tu as commencé à donner des cours toi-même. Presque tous les cours, j'y ai touché sous une forme ou sous une autre, mais j'avais une équipe d'animateurs, je te dirais, hors pair, là, qui était là avec moi à l'époque. Puis par après, bien, ça s'est transmis aussi. Ce vouloir d'avoir une bonne équipe de formation. Puis on l'inculquait à ceux qui voulaient s'en venir. Puis quand on choisissait ceux qui voulaient vraiment... tu sentais que c'était une passion, l'éducation. Mmh. Qu'il fallait développer les TUA, les TCA, au Québec, au Canada, les développer, qu'ils deviennent autonomes, indépendants, autant les sections locales dans chacune des régions, parce qu'on pouvait pas être là à chaque fois, tu sais. Donc, si tu veux développer
ton syndicat de façon à ce qu'il soit fort partout, puis que t'es, je dirais pas, on n'est pas parfait, là, mais en tout cas, on a fait du mieux qu'on put, puis je pense qu'on a quand même bien réussi. J'ai adoré ces 5 années-là de formation syndicale où j'étais coordonnateur. T'as été coordonnateur à partir de quel moment? Je te dirais, c'est les années 75 jusqu'à ma nomination. Fait que je travaillais... Dès le moment où t'as été engagé, là, t'as été président de ton syndicat, tu t'es impliqué en éducation, ouais, là, t'as été coordonnateur des TUA au Québec, au sur Québec. L'éducation. Donc, c'était pas un poste à plein temps, ça. Non, c'était pas à temps. T'étais toujours président de ton syndicat local. Exact. Mais t'étais libéré pour coordonner les activités d'éducation des TUA au Québec. C'est exact. Ça avait duré... C'est-à-dire, au début, c'était quoi? 3-4 mois par année. Parce qu'on recevait une subvention. Oui. Je me rappelle pas du nom, là, mais... Via la FTQ. Exactement ça. On recevait une subvention, c'était gouvernemental, mais les montants d'argent allaient à la FTQ, puis elle les redistribuait à tout le monde. Donc, c'est ce montant-là qui permettait aux TUA... À l'époque, oui, TUA, d'avoir un coordonnateur libéré plus ou moins longtemps, c'est ça. Et ça l'a fait comme une explosion, je te dirais, de vouloir que nos membres apprennent, tu sais, que nos membres connaissent, puis de faire que ben, ça devienne des militants, des militantes, mais avec un bagage, avec eux autres. C'est pas juste mon tabarnak, votre colissine garnette sa gueule, mais il y avait des ça aussi. Mais des wise aussi qui disaient, hey, mon tabarnak, mais. C'est que la seule véritable force que vous ayez, c'est votre solidarité. Vous êtes sortis ensemble. Votre dignité demande que vous rentriez ensemble. En 74, c'est la grève de United Aircraft. Toi, t'es nouvellement président à ce moment-là. Exact. Est-ce que t'as eu. T'as été impliqué d'une façon ou de l'autre dans certaines actions communes ou... À l'époque, c'était Robert Dean qui était oui, là. Qui est directeur. Ouais, c'est ça, Robert. Et oui, Robert nous a impliqué un groupe de formateurs pour les cours d'assistance grève où on a rencontré plein de monde. Puis c'était super. Moi, en tout cas. Je trippais au bout, tu sais, je veux dire. Et on a quand même réussi à faire des choses là pour faire avancer la grève à leur rythme, eux autres, pas nous autres, là, mais au moins qu'ils puissent faire des choses. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de formation qui s'est donnée auprès des grévistes pendant la grève. Mais c'est une grève qui a été marquante. Tu sais, quand on dit des grèves qui marquent, la première application de la loi anti-scab, ça a été avec la grève de Kenworth après la grève. Après la grève de United Aircraft. Et le Québec, t'en as pas des tonnes. Hein? Je veux dire, United a été une de ceux-là. C'était la formule de Rennes à l'époque. Oui, parce que la loi anti-scab. La loi anti-scab, oui, c'est vrai. Puis... Tu sais, c'est deux points majeurs. Et les Ontariens, après, ont eu une grève chez Ford où ils ont demandé la formule de Rennes parce qu'ils n'avaient pas, eux autres, non plus en Ontario. Et ils l'ont gagné là. Donc, le Québec a fait une marque importante. Mmh. Et ça a été, tu sais, une lutte avec la FTQ, la CSN. En tout cas, tout le monde était mêlé. Il y avait du monde. Il y a eu un grand mouvement de solidarité. Il y avait du monde. Et c'est là que tu voyais, comme tu dis, un mouvement de solidarité important. Puis... C'est ça qui a fait qu'on a gagné. T'sais, on dit toujours des grèves, c'est toujours la faute des travailleurs. Mais dans cette grève-là, il n'y a pas de faute des travailleurs. Puis, quant à moi, il n'y a jamais de faute parce que le droit de grève, c'est un droit qui est tellement limité par rapport à ce que le droit de grève de la partie patronale, qui est immense. Quand on parle d'investissement, de mettre de l'argent dans une bâtisse, ils peuvent t'étouffer, là, comme ils ont fait avec Kenworth en 95. Tandis que nous autres, avec notre petit droit de grève, là, qui est le seul qu'on a, puis le droit de négocier, c'est pas grand-chose comparativement à la puissance de ces puissants de ce monde. T'es coordonnateur de l'éducation chez les TUA pendant 4-5 ans. Exact. Et là, on t'appelle à plein temps au bureau des TUA. Exact. Et est-ce que Claude Ducharme est devenu directeur à ce moment-là? Claude était devenu directeur. Oui. Robert Dean est parti en politique. Politique.
Oui, tu es devenu député du Parti québécois. Québécois, c'est ça. Et c'est là que Claude m'a choisi. Comme adjoint ou comme... Comme représentant. Comme représentant. C'est ça. Donc, tu as commencé à négocier, puis... Faire les arbitrages, tout ce qu'un représentant de service peut faire, là. Service aux membres, dans le fond. Là. Avec quel groupe en particulier au début? Ben, j'avais Kenworth à l'époque. Entre autres, qui était ton jeu. J'avais dit à Claude, merci beaucoup de me donner mon groupe. Là, ouais. Je les connais toutes. Ouais. Ça peut tout de même être difficile des bouts, par exemple. Ouais. Là, mais mais c'était le plus gros groupe. Mais après ça, j'avais toute la région de Bedford, région de Québec. Il y avait pas mal de membres à Bedford. Oui, région de Bedford, Québec, un petit peu à Drummondville. Donc, j'étais pas mal en dehors. Ouais. Les plus jeunes, on les faisait voyager. Mm-hmm. Les plus vieux, on les laissait dans la région de Montréal.